Salut, c'est Thomas Huviller. Je suis gagnant du triathlon de Genève l'an passé et je vais essayer de te donner 2-3 conseils à toi qui va participer à ton premier triathlon cette année. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la course à pied et plus particulièrement à l'entraînement. C'est un peu ma spécialité. Alors, mon conseil, n'hésite pas à intégrer des sprints dans ton entraînement ou alors du rythme de compétition. Privilégie plutôt la qualité que le volume. C'est-à-dire, effectue plutôt des séances intensives et par intervalle que des footings à allure modérée. Ça te permettra surtout à gagner en économie de course. L'endurance tranquille, tu la travailles plutôt à travers les longues sorties à vélo. C'est suffisant. En fait, être triathlète, ça ne veut pas dire s'entraîner 3 fois plus qu'un cycliste ou bien qu'un coureur à pied. Tu vas voir, les entraînements, ils sont complémentaires. Si tu fais un entraînement par semaine intensif en course à pied et une longue sortie, c'est nickel. Un autre conseil, essaye parfois d'aller courir après avoir fait du vélo. Je ne suis pas sûr que ça produise des adaptations au niveau physiologique, mais psychologiquement, ça aide à savoir à quoi t'attendre. Et tu verras qu'avec la fatigue, il faut vraiment que tu revoies ton rythme de course à pied à la baisse. Il ne faut vraiment pas partir trop vite. Et tu verras que quand tu passes de la position vélo à la position course à pied, ça produit souvent des points de côté. Alors franchement, prudence.